accompagner ce programme dans différentes communications. Ensuite, notre enjeu, c'est de vraiment accompagner ce programme auprès des populations et surtout des entreprises, des PME ivoiriennes dans leur ensemble et créer un écosystème qui va nous permettre de pouvoir mettre en avant toute ces bonnes pratiques. Notre contribution sur ce projet-là, c'est justement de passer à l'aspect pratique, à la mise en œuvre pratique justement de la gestion de la pollution des déchets plastiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de développement durable, il est question de prendre en compte toute la problématique du changement climatique dans sa dimension la plus large. Et à travers ce projet-là, nous, notre mission va consister à mettre en place deux unités, ce que nous appelons deux centres de collecte et de compactage des déchets, qui vont consister à mettre en place donc des unités avec des équipes qui vont faire la collecte des déchets plastiques dans deux environnements. Un, ce sera dans l'un des complexes de l'Agora. Nous avons déjà une première unité qui est dans l'Agora de Kumasi. Et ce projet nous permettra donc de mettre en place un second centre de collecte. Et puis le deuxième centre de collecte va consister à mettre une unité en place tout le long de la zone nord de la baie de Cocody. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'AIVP organise la collecte des déchets plastiques dans les barrages de retenue d'eau qui sont construits par l'ONAD et qui sont situés justement dans la zone nord de la baie de Cocody. Et pour le moment, nous collectons mécaniquement ces déchets plastiques après les événements pluvieux. À travers ce projet-là, nous allons plutôt collecter les déchets en amont pour réduire les quantités qui arrivent dans les barrages une fois qu'il pleut. Donc c'est un peu ce projet-là que nous allons déployer à travers donc ce deuxième volet de cette initiative « C'est investir durablement ensemble » que nous faisons avec l'Union européenne via la Chambre de commerce européenne Eurocham. Moi, je trie, nous sommes une ONG d'éducation environnementale qui sommes aujourd'hui représentés dans plusieurs pays, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo et aussi en France. Donc la France est vraiment le pays de tutelle. S'investir durablement est un projet qui fait sens dans un pays où on a nécessairement besoin de joindre nos mains pour accompagner la protection de l'environnement. Le rôle de Moi Je Trie sera bien sûr de l'accompagnement, mais plutôt côté établissement scolaire. Pendant les 4 ans, nous aurons en fait à faire des déploiements de programmes éducatifs autour du tri des déchets et également de la valorisation de ces déchets-là à travers en fait des programmes éducatifs que nous allons mettre en place dans différents types d'établissements, dans deux collectivités ici en Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas nous adresser uniquement qu'aux enfants parce qu'en fait, dans les écoles, on a un corps pédagogique qui a aussi besoin d'être formé et instruit sur ces questions. Donc, il y aura aussi des temps de formation pour ce corps pédagogique pour permettre que les enfants et les adultes en fait, aient en fait, ce réflexe d'adopter les gestes éco-citoyens, de contribuer à l'assainissement immédiat de leur environnement. Et en fait, au-delà en fait, de ces actions-là, l'objectif, c'est qu'ils puissent repliquer tout ce qu'ils auront en fait, appris dans le cadre de ces différents programmes mis en place au sein des établissements scolaires. Donc, on vise les enfants, on vise les écoles, mais on vise aussi les communautés riveraines. Donc, c'est les parents d'élèves qui seront associés également à ces activités à travers des journées portes ouvertes qui seront organisées pour venir voir concrètement en fait, l'impact que nos actions auront eu dans l'établissement scolaire en fait, de leurs enfants. Et pour nous, le développement de la RSE, le développement durable est fondamental et notre préoccupation de l'environnement est essentielle. Et donc nous sommes plongés dans ce projet avec l'aide de l'Union européenne qui nous finance et donc afin de sensibiliser de bonnes pratiques dans les entreprises tant au niveau social qu'environnemental
et au niveau de la gouvernance. Alors voilà, c'est un projet qui est complètement financé par l'Union européenne à hauteur de 2 puis en 4 millions d'euros. Et l'idée, c'est vraiment d'appuyer le secteur privé. Le travail va être fait avec Eurocham, donc la Chambre de commerce européenne qui est implantée ici depuis 2009 et qui regroupe 250 entreprises européennes. Et l'idée, c'est de renforcer la capacité en fait, des PME, des petites et moyennes entreprises ivoiriennes, à incorporer dans leur modèle de business la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises, ce qui veut dire incorporer des éléments en fait beaucoup plus liés à la durabilité, à l'économie verte, ça peut être l'efficience énergétique, ça peut être des manières de gérer leurs propres déchets, qui sont en ligne aussi avec les ambitions du gouvernement ivoirien, qui sont par exemple de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, d'augmenter le couvert forestier. Donc la Côte d'Ivoire a une ambition très forte au niveau de l'économie verte et nous voulons l'encourager en utilisant vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire le secteur privé et la possibilité qu'ils peuvent aussi enclencher un cercle vicieux et aussi faire bénéficier et créer des nouveaux emplois en fait, des emplois verts, des emplois durables. Ce projet donc, qui vise la préservation de l'environnement, qui vise à faire la promotion du développement durable, ce sont donc des missions qui sont confiées au ministre de l'Environnement actuel. Et donc quand nous observons que le secteur privé, les partenaires techniques et financiers mettent en œuvre des initiatives de ce genre, on ne peut que les soutenir, on ne peut que les encourager. Donc au nom de M. le ministre, je voulais réaffirmer une fois de plus la disponibilité de tout le ministère à soutenir les initiatives qui sont en cours, les promoteurs de ce projet, pour que les résultats attendus, les objectifs qui sont donc assignés à ce projet, puissent être atteints.